Oui. Attendez, caméra qui... J'ai bougé un peu la caméra. Hop là, boink. J'ai bougé un peu la caméra tout à l'heure. Bonsoir, bonsoir à tous, nous sommes le vendredi bien évidemment, c'est toujours donc du coup le Let's Play Legend of Zelda. Alors là je suis tiraillé parce que après avoir l'ordinateur qui m'a pris un petit peu de temps de cerveau disponible, là maintenant c'est mon bureau qui m'embête. Depuis tout à l'heure je suis en train de... Depuis tout à l'heure quand je dis ça fait au moins 2 heures, je suis en train de rebouger des trucs etc. parce que je me dis l'agencement est pas super. Voilà, elle n'est pas optimale, on va dire. Donc du coup, j'ai rebougé 2-3 petites choses et du coup j'ai bougé la caméra. le pied a un peu fait cri. Donc il faut le refixer un petit peu. Mais normalement c'est bon. Donc du coup, ce soir on va donc continuer tranquillement notre aventure dans Zelda Spirit Tracks, bien évidemment. Et souvenez-vous, la dernière fois, on avait donc fait le temple des mers. On avait été également donc du coup à la tour, un étage déplorable. On avait passé 3 heures, sans exagérer, sur la flûte de Jean-Michel, sans mauvais jeu de mots. Et on va couper la musique. On s'était arrêté après avoir récupéré donc du coup La tablette du royaume du feu, la contrée du feu plus précisément, et donc c'est là-bas que nous allons aller. Ah oui, c'est vrai, et Dame Bicelle aussi se bat contre son élève entre guillemets. Oui, let's go. Tout à l'heure, en regardant la stèle du feu, j'ai vu des nouvelles voies. Elles étaient apparues dans le contrée de la neige. Allez, dans quelle contrée veux-tu te rendre? Ah bon? Comment ça? Non, pas la Zinedine. Comment ça, il y a de nouvelles... pas du tout. C'est là qu'il y a un nouveau truc ici. On n'a pas été. Non, bon, on va aller directement contrée du feu. Ah non, faut passer par la contrée des neiges, d'accord, pour y aller. Ah oui, là-bas. Ok, d'accord. Merci, Micheline. Contrée des neiges, alors. Et du coup, avec le nouvel agencement du bureau et de ce que j'ai mis et tout ça, j'ai plus trop la place pour mettre la tablette ou quoi que ce soit, donc j'ai remis le chat ici, même si le chat est là également, je l'ai 2 fois, parce que moi quand je stream de la DS, j'ai de la place. Donc du coup j'ai le chat ici, mais en gros le chat sera là maintenant. Et ça sera mieux ainsi. Pam pam. Pam pam. Pam pam. Pouette, 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 pouette. Allez, c'est parti. C'est parti pour la contrée du feu. Nous sommes tous escapés. Fais attention. Qu'est-ce que c'est? Un volcan. C'est horrible. Dépêchons-nous. Bum, 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 bum. Ah oui, c'est la musique du coup quand on est dans une contrée qui n'est pas encore pacifiée en fait. Du coup, faut aller là avant, je suppose. Que l'autre, ça doit être le sanctuaire. J'espère que la locomotive portera ses pentes. Alors est-ce que c'est du foreshadowing pour nous dire qu'il faudra une locomotive plus puissante? Et là ça va être quoi, le village, un village Goron, non?
Ah oui, non, c'était derrière. On va aller à la gare en marche arrière. Et voilà. Qui a dit qu'il fallait se garer en marche avant? Ah. Oh. Petit remix du coup. Du coup, on peut pas aller plus loin s'il y a ça. On regarde dans quel état est ce village. J'aimerais tellement pouvoir les aider. Allez, allons mener notre enquête. Il faut découvrir où se trouve le locomo de cette contrée. Bazar Goron. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allons voir. Bonjour, tu es ici dans la boutique du village Goron. Il y a des choses qui te plaisent, achète-les. Non. J'ai toujours mes deux potions. Pour l'instant, ce n'est pas utile et on n'a pas les bombes encore. Ça a fait un sévère vacarme quand le volcan a explosé. Mais je veux vite rentrer chez moi et je m'inquiète pour papy. Ah, la route a été obstruée lors de la dernière éruption. Le dieu de la montagne doit être en colère. Oui, sans doute. On se connaît pas, je crois. Tu veux visiter notre village? Bien sûr. Oh, de toute façon, on ne peut pas entrer. À cause de cette éruption de tout à l'heure, la route du village est bloquée. Si tu es pressé, va voir garde-clé. Il médite toujours en haut de son chemin. D'accord. À cause de l'éruption, le chemin qui mène à l'hôtel est très dangereux. Sois très prudent. Ok. Allons voir garde-clé. C'est passe-partout, en fait. Hôtel. L'hôtel du Mérite. Quelles informations voulez-vous consulter? Rien. Bah, pas là. Ah ouais. Ici, il y a quoi? Il y a qui? Ah, l'acier Goron du village. Goron est réputé pour sa grande solidité, Goron. Toutefois, il ne résiste pas bien à la lave. C'est dommage. C'est ballot. C'est vraiment pas de cul. Ok, c'est 2, 1. Non mais... Un peu plus vite, Zinedine. Oh, allons. On va trouver des cœurs, vous inquiétez pas. Oui. Je vous l'avais dit qu'on allait trouver des cœurs. Qu'est-ce qu'il veut? Ok. Vas. J'ai laissé du hobby pour rien. Saloperie de touffe. Ouais, mais si vous mettez pas la truc, je saurai. Raccourci pour descendre de la montagne. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Nous sommes à l'hôtel. Qui es-tu? Qui es-tu? Cet endroit est sacré pour les Gorons. Tu ne peux pas entrer comme ça. Mais tu n'es qu'un enfant. Tu es monté ici tout seul? Qu'est-ce que tu veux? Bah, en fait...
Le sanctuaire? Moi-même, j'ignore où il se trouve. C'est un secret gardé par les doyens Goron depuis des générations. Tu veux rencontrer le doyen? Oui. Très bien, les jeunes d'aujourd'hui ont vraiment du tempérament. En fait, il existe un moyen d'accéder au village. Mais dis-moi, tu es conducteur de train, non? Pourquoi? Les conducteurs de train ont une aura particulière que j'arrive à percevoir. Ils sont capables de se mettre en grève en un claquement de doigts. Peu importe, tu devrais pouvoir l'utiliser. Je t'expliquerai quand nous serons descendus de la montagne à cheval. J'ai 2-3 choses à régler. Par devant, tu n'as qu'à nettoyer ta locomotive en attendant. D'accord? Je vais nettoyer ma locomotive. Clique Michel. C'est une écaille de dragon. Ok. Garde-clé, que se passe-t-il? Je voudrais que tu remettes ce que tu sais à ce jeune homme, à savoir la pierre philosophale. Ah non, merde, c'est pas le même truc. Je voudrais que tu m'aides. C'est vous qui me demandez, je n'y vois aucune objection. Objection! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il faut que tu ramènes dans ton wagon de marchandises quelque chose d'assez froid pour refroidir la lave. Fais le tour des marchands de matériaux dans toutes les villes. D'accord. Donc je suppose froid, faut que j'aille chercher de la neige alors. Quelque chose de froid. Ça ne peut être que ça. Que de la lave en fusion, j'avoue. Conduis prudemment. Ouais, ça va, c'est bon. Est-ce que j'ai déjà eu un accident? Non. Voilà. Bah du coup, let's go to the beach, each, let's go to the way. Et du coup, faut aller, je pense, au village des Anuki. Un bal. Un 747. Du coup. C'est le Thomas, non, garde du bord du lac. Pour moi, faut aller voir l'Esquimau du coup. C'est eux qui doivent avoir quelque chose de froid. Mmh.
Mais on lui avec le port. Salut Thomas. Bombardement. Ah. Je me demande s'il va falloir respecter les limitations avec la cargaison. Ça va, c'est bon, il est loin. Ping, ping. Ça après, à vrai dire, on ramasserait de la neige. Être concentré parce que parfois t'as des ennemis qui apparaissent comme ça là. Bonjour. Freiner un petit peu avant. Alors, est-ce qu'il faut parler à Jean-Michel? Oui. En fait, il nous faut du bois. Mais il nous faudrait quelqu'un qui soit capable de construire une clôture. Trouve ce que tu veux en premier, mais il nous faut du bois. Un artisan, mec. D'accord. J'en ai légèrement rien à foutre, en fait. Nier? Where is he? Ah bah attendez. Un petit peu de V. Mais ils sont passés où? Peux-tu me dire où sont passés tout le monde? Ah mais est-ce que... Il nous faut du bois, mais il nous faudrait que quelqu'un soit capable de construire. Trouve ce que tu veux en premier, mais il nous faut du bois et un artisan. Bah un artisan. Ah mais il est là, Michel. Tu as besoin de quelque chose, gamin? Oui, de la glace. Comment? De la glace? C'est quelque chose de facile à procurer ici. T'as de la chance. Un commerce de plaques de glace vient d'ouvrir. On a un juste ici. Et un skimo qui en fabrique. Ok. Tu peux aller lui demander, mais je pense pas qu'il te donnera gratuitement. Vous dépend le prix. Hey mec, j'ai vu que t'avais une voiture sur ton train maintenant. Comment? Tu l'as depuis le début? Oh bah, peu importe. Tu voudrais bien m'emmener auprès du lac? Pourquoi? Tu veux savoir pourquoi? Que bien. Et tu verras que tu peux pas refuser. Mon métier, c'est de vendre des plaques de glace dans la spécialité de région. Blablabla. Il y a quelque temps, un blob de glace s'est noyé ici. Un truc tout gluant qui s'est mis à flotter et dans la qualité de l'eau s'est dégradé. Si je fabrique des plaques de glace avec cette eau, ma réputation va en prendre un coup. Alors tu veux que tu m'en... Je veux que tu m'emmènes près d'un lac. Tu veux bien? Bon bah oui du coup. Merci, je t'avoue ça. Je t'attends dans le train. Quelqu'un d'autre qui veut prendre le train aussi Attention parce que si c'est les JO, j'augmente mon prix par 10. Hein. Yes, allons-y. Un lac. Où est-ce qu'il y a un lac?
La bagarre au bord du lac, let's gang. Pam pam. Pam pam. En fait, il devrait y avoir, comme dans Crazy Taxi, un score au niveau du temps. Qui fait office de bonus. Ah, du coup, là, par exemple, il y a un ennemi, je sais pas si vous le voyez sur la carte, qui est un ennemi qui quand il va nous voir, il va nous poursuivre. Chiant. Ah là par contre. Oui mais je vois. Comment veux-tu? Faut que je regarde les panneaux, faut que je regarde les ennemis. Oui, d'accord. Faut que je regarde les panneaux, faut que je regarde les ennemis, je peux pas tout regarder, moi. Faut que je regarde les panneaux, faut que je regarde les ennemis. Oui, mais ce mordeau sont l'idéal pour fabriquer des plaques de glace. Comment veux-tu? Je regarde les ennemis, les panneaux et tout ça. Hé, hey, c'est l'endroit parfait pour fabriquer des plaques de glace. C'est décidé, je m'installe ici. Ça, c'est grâce à toi, mec. Merci. Ah, du coup, ça fait un raccourci. D'accord. Je vais regarder juste vite fait les voix. Non, c'est pas ça que je voulais. Et du coup, là, il y a un trajet par là qui ramène vers où? Ah oui, comme ça, d'accord, ok. Ok. Très bien, je vais mettre ça avec tout de suite. Ah. Est-ce que je peux rentrer dans la cabane de Michel? Où est-ce qu'il faut vraiment que je me casse? Ah non, c'est bon. Hé hey mec, il paraît que t'as un wagon de marchandises maintenant. Si tu transformes nos célèbres plaques de glace, ça rehaussera ton prestige. En ce moment, elles sont incroyables de 25 rubis. Chargez les plaques de glace de son wagon de marchandises. En fait, il y a deux points sur lesquels je dois te mettre en garde. Primo, si ton train subit un choc violent en chemin ou si tu te fais attaquer, les plaques tomberont petit à petit. Secondo, c'est la glace que tu transportes. Alors forcément, ça fond. Dans les endroits froids, comme ici, ça va. Mais ailleurs, les plaques fondront petit à petit. Surveille le compteur et rentre vite à destination. Ok. Sinon, c'est 25 balles dans mon fiac. Et ça, c'est important. Let's go. Allez. Bah au pire on peut passer comme ça, non? Je sais pas si j'aurai le temps. Parce que lui il va faire ça, donc j'aurai peut-être pas le temps. Autant passer par là. Pam pam. Pum, pam pam. Là, il a disparu.
Je vois pas, je vois pas. Oh oh. Eux, ça va, c'est pas ceux qui nous poursuivent, donc ça va. Allez, ça va. Là, on est dans le contrée de la glace, donc du coup, la glace ne fond pas encore. Donc on a pu faire ça tranquillement. Mais bon, ça aurait été un qu'on voit sur la carte, c'est-à-dire un qui a un nez pointu. Là, ça aurait été fini tour. On aurait été obligé de faire le tour. Ça va, on les a vus de loin, donc ça a été. Allez, contre du feu. Je viens de voir, là il y a Jean-Michel là, sur la map. Il y a un Jean-Michel. Est-ce que Jean-Michel va m'obliger à descendre? Ben oui, forcément. A perdu du temps pour Ring. Allez. Que là-haut on va réussir à passer. Ça va être juste hein. Oh quoique. Ça va être juste mais ça passe. Parce qu'après on peut lui tirer dessus de toute façon. Thank you.
par contre, ça risque pas de passer. L'autre, c'est sûr, ça passait pas. En tout cas qu'on va en avoir assez. Sinon ça va être compliqué. Ah, la Stargate est là. Quand on aura accès au Stargate, là ça va être intéressant. Un seul morceau. Dans quoi je suis embarqué? Ah non, je dois pas dire ça. Allons voir garde-clé. Nous avons trouvé de la glace. On va lui dire que nous avons trouvé de la glace. Garde-clé, oui. Il est reparti là-bas? Ah non. Alors, tu as ramené quelque chose? Oui. Oh, formidable! On va pouvoir refroidir la lave qui bloque la route. On va tout faire de notre mieux. Et on a là-haut aussi. Merci, tu peux aller voir le chef du village. Il vit dans une maison au fond du village. Let's go! Oui? Si tu veux aller voir mon papy, il est dans la maison la plus au nord du village. Moi, je vais vérifier que tout le monde va bien. Dis-lui que je rentrerai plus tard. Ouais, du coup, c'est la maison qui est là, quoi, du coup. Oh, un vieux, c'est mystérieux. C'est le doyen, il doit être vraiment très imposant. Allez, courage, demande-lui où se trouve le sage. Papy! Mais voilà, t'as été vite pour dire bonjour à tout le monde. Oh, Tigon! Il n'a rien, je me faisais du souci. Ce garçon a débloqué la route du village, c'est grâce à lui que j'ai pu rentrer. Mais comment? Alors c'est toi l'humain dont m'a parlé garde-clé. Oui, il m'a envoyé un texto tout à l'heure. Je suis le doyen de ce village. Tu nous as été d'une aide précieuse. Merci d'avoir sauvé mon petit-fils qui était juste à l'entrée du village. Je sais pourquoi tu es venu ici. Ce secret est gardé par les doyens Gorons depuis des générations. Tu es à présent un ami des Gorons. Je vais te laisser passer. Et voici mes chiottes personnelles. Personne n'a emprunté ce passage depuis longtemps. Sois prudent. D'accord, je serai prudent. Things we wait. Oh bonjour. Laissez-moi vous fouetter à mort. Oh. Ok. Ok. J'aime le fouet de Paul Prédo. Des cœurs. Un crâne. C'est très bien, very good. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait déjà. Pouet, pouet, boum, boum. Haha, je peux vous fouetter. Ça fait pas beaucoup de dégâts, mais je peux vous fouetter. Ça va. Un sanctuaire du feu. Yay. Des plantes piranha. Je me demande d'où ça vient. Yay.
Wow, 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 calm down. Ah bah ça vient de tout simplement de Ocarina of Time. Soyons logiques. Non mais, merci. Oh, c'est le chant de Montafiac. C'est ça. C'est violet jusqu'à blanc. Que c'était les pierres de lumière qui fallait. Okay. Les portes de l'amitié. Il y a fort longtemps, deux hommes s'éprirent d'une très belle femme. L'un d'entre eux, très populaire, et attirait tous les regards où qu'il aille. Mais c'est pour l'autre homme que battait le cœur de la jeune femme. Au terme d'une longue rivalité amoureuse, on dit qu'une mélodie retentit entre les deux hommes et qu'elle ouvrit les portes d'une amitié radieuse. D'accord? Est-ce qu'il faut que je fasse le trait de tous? Fort longtemps, deux hommes s'est pris une très belle femme. L'un d'entre eux était très populaire et attirait tous les regards où qu'il aille. Et c'est pour l'autre homme que battait le cœur de la jeune femme. Au terme d'une longue rivalité amoureuse, on dit qu'une mélodie retentit entre les deux hommes. Et qu'elle ouvrit les portes de l'amitié radieuse. Ah, du coup, faut savoir c'est qui. Bah, lui, du coup, il attire tous les regards. En vrai. Ça, c'est l'homme qui attire tous les regards. Du coup, ça c'est soit... Bah ça doit être la femme. Ça c'est la femme. Parce que si ça c'est l'homme qui attire tous les regards, lui son regard il est porté sur la femme. Donc l'autre homme, c'est lui. Donc entre les deux, il y a une mélodie. C'est pas la mélodie des secrets du coup. Orange, jaune, orange, bleu. Quoi? Chant des secrets, non? Je vois pas le rapport. Chant de l'éveil, ça serait con. Pouet pouet. Qu'est-ce qu'il y a par là? Il y a une mélodie entre les deux hommes. Essayer la mélodie de la lumière, mais je vois pas le. Ah, c'est d'accord. Voilà. C'était bien ça. Vous voyez que quand les énigmes sont bien énoncées. Oh là là, on va encore galérer.
Quelle heure? 21h12. Ok. Let's go. Oh, Vegeta. Bonjour. Vous êtes le sage qui veille sur cette contrée? Dame Bicelle nous a parlé de vous. Je suis Bob Lennon. Pardon. Bienvenue à toi, petit gars. Et à vous aussi, princesse Hyrule. Je m'appelle Bouillé. Bouya. Et je suis le gardien de la contrée du feu. Oh, il dégage une telle énergie. Oh, les sages Locomo sont tous très différents. Je sens une grande chaleur. Où ça? Quand on s'adresse à quelqu'un, on le regarde droit dans les yeux. Ah, oui, désolé. L'important, c'est l'émotion qu'on veut faire passer, ce qu'on a dans les tripes. J'ai entendu parler de vous. Vous allez restaurer le sceau de cette contrée? C'est bien ça? Oui. Oui, c'est ce que je voulais entendre. Une voix haute et claire. Tu as dû braver bien des dangers pour venir jusqu'ici. Je suis très impressionné. Bien. Pour restaurer les voies disparues, je vais avoir besoin de ton aide. Tu sais ce que c'est, le chant de la Renaissance? Mais bien sûr. Voyons. Voyons, je sais. Comme tu le sais, ce morceau se joue à deux instruments. Je vais boire un coup. Je vais t'enseigner ta partie. Écoute bien et reproduis ce que je joue. Quand tu auras assez répété, tu pourras poser ta flûte. À défaut de poser ta pêche, pardon. Violet, jaune, violet, ok. Waouh. Merde, j'ai pas commencé de... Pum, 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 boum. Ouais, il faut le faire vite. Ah, ou alors si je laisse appuyer. On va essayer. On va essayer une fois, mais je suis vraiment pas sûr. On va essayer comme j'ai fait, mais je suis vraiment pas sûr. Merde. Bon bah c'est mort. C'est mort. Ça va pas. Je vais essayer, je vais réessayer, mais de le faire le ça. Essayer de le faire comme ça. Ah non merde, je le fais plein de fois. Attendez. En fait, je refaisais un violet après. Là, vous voyez, je suis pas énervé parce que je vois les erreurs que je fais. Je sais par à coup. Ouais. Respecter les notes, bah c'est ça. Attendez. Il y a peut-être des notes que j'ai mal fait en fait.
Je peux vous respecter les notes, mais c'est les bonnes notes, salaud. Voilà, là je commence à m'énerver parce que je fais les bonnes notes. violet, jaune, bleu. Là, j'ai fait l'orange, donc non. Ah, mais on va y rester une heure. Hein. Répéter. Je l'ai peut-être. Attendez. Je l'ai peut-être. Pareil, hein, j'ai le même problème que... Donc là, par contre, je commence à m'énerver parce que je fais ce qu'il me dit. Sans se laisser perturber par ma mélodie. Ben oui, je veux bien, mais je ne comprends pas ce que tu me demandes. On va passer une heure, hein. Ça fait déjà 10 minutes.
Et ben vous savez quoi? On va rouvrir. Hop, YouTube. Et on va revoir du coup. Hop, le chant Locomo. Et on va voir ce que lui y fait. Ce qu'on avait réussi en regardant. Ah, lui, il laisse du coup glisser. Et même en se trompant, il y arrive. Donc on va essayer de faire comme lui fait. Lui il fait comme ça et ça marche hein, donc on revient au même point qui est énervant, c'est que faut attendre qu'il ait fini ou pas? C'est peut-être ça aussi, comment? Je sais pas. C'est mon match-up, hein. C'est mon match-up. Je comprends pas le truc. Essayer qu'on va headbang contre le mur en permanence. Hein. C'est brouillon. Je comprends pas. Je sais pas. Lui, il fait exactement ce que je fais et ça marche. Après, je remarque que lui, il attend.
il attend que la musique soit terminée. Mais du coup, c'est débile. Enfin, pourquoi... On revient aux débilités du jeu. C'est pourquoi tu dis que c'est mon tour alors que c'est pas mon tour. Je sais pas ce qu'il me veut. Hein. On va y passer une demi-heure comme hier. On va passer dessus une demi-heure. C'est hallucinant comment c'est mon match-up, quoi. Et surtout, je comprends pas ce qu'il me demande. Est-ce que ce que je fais, c'est bien? Est-ce que ce que je fais, c'est pas bien? Je ne comprends pas ce qu'il me demande. C'est ça qui est fou. C'est qu'en fait, c'est pas bien, d'accord, mais je dois faire quoi pour m'améliorer? Il reste en rythme. Je suis en rythme. C'est ça qui est fou. C'est brouillon, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est dingue, ça. Ça va faire 20 minutes. Et je comprends pas ce qu'il me demande. Je sais pas. On va re-répéter, mais je comprends pas ce qu'il me demande. Je comprends pas. Pack, pook, pack, pack, pook. Pack, pook, pack, pack, pook. Pack, pook, pack, pack, pook. Et pack, pook, pack, pack, poum. Pack, pook, pack, pack, pook. Pack, pook, pack, pack, pook. Pack, pook, pack, pack, pook. Et non. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est surtout que quand tu fais essayer, il te dit pas ce qui va et ce qui va pas. C'est complètement con. Pack, pack, pook. Et non. Surtout respecter les notes. Mais c'est les notes. Je suis pas aveugle. C'est hallucinant, débilité, quoi.
Je suis en train de lire, hein, s'il y a des trucs, parce que là, je ne comprends pas. Ça, faut le savoir. Les notes sont enregistrées uniquement quand le locomo a fini de jouer. Bah pourquoi tu m'illumines les notes en haut? Jeu de merde. Jeu de... Eh ben merci GameFAQ, hein. Purée. Merci GameFAQ, hein. Faut le savoir que les notes sont uniquement détectées quand... En fait, il faut attendre que la caméra arrive, Link soit centré, et à ce moment-là, le jeu enregistre les notes. Si tu le fais avant, les notes ne sont pas enregistrées. Ah, heureusement, parce que sinon j'aurais crisé. Il y avait quoi en slot 1? Il n'y a rien. Ah oui, j'ai même pas de save state en fait. Allez, on peut re-switch. Eh oui, les voix sont apparues. Bravo, si c'est ta plus belle performance. Oui, bah ouais. Oui, parce qu'à vrai dire, on n'a pas passé une heure sur un truc, enfin. En route pour le temple du feu. Merci infiniment, Bouillé. Oh, bravo. La montagne où se trouve le temple du feu est pleine de dangers. Demande conseil au Goron du village. Je suis obligé de repasser par là pour... Ah. Yes, we tombe. Ah non, mais ça, c'est mon match-up. Hein. Et le pire, si je sais qu'il y en a encore un après. C'est ça, le pire. Je sais qu'il en, il en reste un. Et qu'on va galérer, et ça va être fantastique. Ah, c'est pas par la Zinedine. Allez, c'est parti. Ouais, du coup, faut... C'est bien ça. On va aller vendre tout ça à Linbeck au bout d'un moment. Oh, allons. Allons, Zinedine. Oh, on dirait que tu as réussi. Tu es parvenu à t'émouvoir. À l'émouvoir, pardon. Tu dois être quelqu'un d'exceptionnel. Tu veux te rendre directement à la montagne? Oui. Alors, il y a quelque chose que tu dois savoir. Il y a une porte verrouillée par 3 clés à l'entrée du temple du feu. Mais les monstres malveillants sont apparus et ont volé les clés. Si tu le reprends pas, il sera impossible d'entrer dans le temple. Tu as bien tout noté? Oui. Les villageois connaissent bien la montagne et ses monstres. Va leur demander conseil, ils t'aideront. D'accord. Bonjour. Je suis Olivier de Carglass. Il y a un bruit dans les montagnes que Il y a un bruit que les monstres de la montagne détestent. Le bruit court.
Un bruit court. Un bruit court, un vélo, comme ça, chouchou. Chouchou. D'accord. On dit que les monstres. Ah, les grands bruits sont vraiment la clé d'animaux. D'accord. J'aurais peut-être dû demander ça avant. Mais... Un marron. Vous amenez un marron. Formidable. Dès que le chemin du village a été libéré, ils ont tous filé chez eux. Mais l'éruption n'a pas bloqué qu'un seul endroit. Moi aussi je veux rentrer chez moi. Viens me rapporter un truc froid. Non. Non, moi aussi je voudrais rentrer chez moi. Eh ben. Tu vas dans la montagne. Les monts là sont extrêmement violents. Quand tu vas récupérer les trois clés, fuis le plus vite possible. D'accord. En fait, je suis déjà allé chasser les monstres dans la montagne. Ce sont des gros poltrons qui s'enfuient dès qu'ils voient quelqu'un arriver. C'est même pas de les contourner. Attaque-les de front. D'accord. Mais du coup, Temps sont sauvés de la montagne. Allons-y. D'accord. Du coup, c'est les monstres qui ont récupéré les clés. Il faut faire chouchou. Bon, en fait, il faut faire foutout, en fait. D'accord. Du coup, faut faire le tour de la montagne à la recherche des trois monstres pour récupérer les clés. Bon, faisons ça au moins. C'est parti. Ah non, c'est pas eux du coup les monstres. Ah, c'est eux. D'accord. Est-ce qu'il faut... J'ai pas sauvegardé. Très important. très important, j'ai pas sauvegardé du tout. Ah bonjour, de la vie s'il vous plaît. Agathe est qui ? Alors du coup, une fois qu'on a récupéré la clé, il va venir nous la rechoper. Oh bah. Allez, c'est parti. Et là, du coup, on tourne. Tuki. Il reste plus que la Last One.
Alors, si on arrive à lui couper l'herbe sous le pied, ça serait magnifique. Allez, tout droit. Bon, normalement, c'est bon. Que certes, ils vont essayer de nous poursuivre, mais bon, là, c'est bon, on a de la marge. Hein. Allez, c'est parti. Le temple du feu. En vrai, je sais pas si... Ouais, on va voir. Si on va faire le dernier étage de la tour aujourd'hui. Je pense pas. On va peut-être ça jeudi prochain. Wait. Le temple se trouve donc au sommet de cette montagne. Bien, restaurons le saut de ce palais le plus vite possible. Ensuite, nous retournerons voir Dame Bicelle, qui doit se faire défoncer la gueule. Alors... Qu'est-ce qu'on a là? Ah. Évidemment, temple du feu, qui dit temple du feu, dit thème un petit peu arabisant. Deux clés ici. D'accord. Gaga. C'est pas grave. Des frames d'invincibilité et des ennemis. On les a vus de l'autre côté. C'est très anticlimatique, hein. C'était waouh. Note les motifs à tes pieds, leurs secrets te seront révélés dans une salle jumelle. Bravo le beau. Note les motifs à tes pieds. Quoi? Tu veux dire genre ça? 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 Qu'est-ce que c'est, genre? Il est tout rouillé. On peut monter dedans? Bah, je pense, oui. Youhou! Ok, bon, ça c'est très bien. Bon, du coup, si on a une clé. Né. Oh, c'est pas grave.
Ah oui, c'est très bien ça, Link. C'est très bien de se faire défoncer le cul comme ça. Parce que là, du coup... D'accord. C'est là qu'il y a un truc de lave, non? Oui. On va récupérer de la vie quand même. Bon, on va récupérer un cœur alors. Ok. So, I think. Ok, c'est parfait. Bravo le veau. Ah oui, bah donc du coup, oui, bah si, c'est ça. C'est du coup ça. 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 C'est là du coup. Là. Là. Et là. Ah, du coup, là, on peut pas passer. Faut passer là. Là. $900. Alors, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? David, merci. On avait bien besoin. Youhou! Roller Coaster Tycoon. C'est Theme Park World hein, que j'adorais. Oups. Non, si, c'est bon. J'adorerais faire, mais. Ah, marron. Mais le problème de ça, c'est que. La version PC, je crois qu'elle bug un petit peu la version PC. Mais Theme Park World, c'était vraiment bien. Mais tape! Link! Link ne veut pas taper. Merci. Il nous donne pas mal de cœur dans ce donjon. Parce qu'on fait un peu le con. Allez. On ouvre comme ça l'autre porte. Et à mon avis, c'est ça ce qu'il faut utiliser le boomerang pour activer les deux. Eh, j'ai pas bu. Ah mince. Bon. Tant pis. Il va se prendre le mur. Pouic, 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 pouic. Allez. Premier étage. Ah. Bah, 6 d'as. Ok, j'ai fait sans faire exprès. Ok.
Hein? Même que j'ai fait le premier truc sur faire esprit, je me suis dit, ah bah tiens, il y a peut-être un truc à faire avec le fouet, je me disais, mais pas du tout, pas du tout. C'était plus simple que ça. Oh! Qu'est-ce que c'est? Ah, l'arc! Ok! Ok, on va voir la mécanique de l'arc. Donc, un boss avec l'arc. Bon, ça devrait aller. Bravo, bravo Link. Je pensais que la plateforme était toute proche. On a combien de trésors ? On a 6 marrons. C'est vrai qu'on pourrait se faire un joli paquet de pognon. On peut lancer loin, Link, dis donc. Pas le tourner, ça fonctionne pas. Très bien. Et lui, on peut pas le tourner. Attendez. Ça va tirer là. Heureusement que j'ai joué à Phantom Hourglass, hein. Gardez en tête qu'il vous faudra une clé pour ouvrir cette porte. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux tirer Link? 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 Merci. Ouf. Parce que vu que je cliquais sur ranger à chaque fois, il voulait pas tirer. Il n'y a pas de petites économies. Hein. C'est bon. Ok, bah ça du coup ça va... Rien du tout. Thank you.
s'emmerde. Bah alors? Ah, parce que c'est ça qui le coupe. Waouh. Ouais, d'accord, ok, je l'avais pas du tout. D'accord. Oh, mais Link! Ah, je l'avais pas du tout que c'était ça qui la guerre. Ça pareil, c'est pas de. Ça vient de Phantom Hourglass, ça, le monstre bicéphale avec feu et. Off. Off. Oui, d'accord, d'accord. J'aimerais jouer le jeu en fait. D'accord, oui, ok. Cet œil doit être transpercé en troisième. Enfin, transperce cet œil. Qu'est-ce que tu me racontes? Ah, mais d'accord, ok, ils sont si connes que ça. Oh, je pensais qu'il y avait un truc, moi. Je pensais qu'il y avait un truc beaucoup plus alambiqué que ça. C'est une écaille de dragon. Alors, transperce cet œil en deuxième. Donc, deux. Faire le faire en roulant. Aïe 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 aïe. J'ai vu le délire. J'ai vu le délire. Là.
Bravo Link. Maintenant tu peux marcher Link. Bravo Link. Oui. D'accord. Ah mais on peut faire ça avec l'attaque machin aussi. Ah, d'accord. Ok. Et donc... Attendez, il faut que je récupère la plaque qui est là. Oui. Vous pouvez pas faire un truc plus simple, non, non, bah non, comme un truc intermittent du spectacle. Hein. Pardon. Pardon. Mais quoi? Quoi? Vous voulez que je tire, puis que je saute là-bas, je récupère la plaque, je la mets de l'autre côté. Vous êtes taré. Vous êtes taré. C'est pas possible. Et déjà. Oui. Allô? Link? Hop. Là, faut. Faire ça, ça, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et c'est tout, ce n'est pas possible. Et lui, il fait que de la diagonale. Comment tu veux que je... Lui, il fait que de la diagonale. Ça, je veux bien. Que des diagonales. Pourquoi faire? Là, faut que je réfléchisse parce que là, je vois pas le truc. C'est peut-être totalement con, mais là, je vois pas le truc. Qu'un seul hein, de plaques, on est bien d'accord. Oui. Une petite minute. Ben non. Attendez. Ah bah si. Oh,
Allez. On monte. Pardon. Mais prends-le. Mais... ma plaque. Mais ma plaque. Mais je fais comment moi maintenant? Faut que je reset la salle? Mais non, mais... Link... Prends le truc qu'on te demande de prendre. Bon, pas ça, mais ça. Bon, il arrive pas à le prendre. Ouais, du coup, c'est pas ça, du coup, on peut pas le monter. Il veut pas le prendre. Bon, tant pis. Bah du coup c'est chiant. Parce que sinon ça serait simple. Enfin simple. Non, ça serait pas simple. Bah si, ça serait simple. On le met ici. On met lui. Bah oui. C'est ça le truc. Il faut le mettre là. Lui tu le mets comme ça. Comme ça d'ici tu peux tirer là et là. En fait, mais pourquoi il veut pas le prendre? Prends-le! Là, il veut le prendre, mais sinon, il veut pas le prendre. Je comprends pas. Je comprends pas. Vous savez quand j'ai dit que le là vous savez, ça fait deux donjons que je me dis c'est le stagiaire Metroid qui les a fait ces trucs. C'est, je fais quoi du coup? Je sais que je dois ça l'amener là-bas. Là, je m'en doute. C'est comme ça je peux tirer dessus. Comme ça lui il tire là et là. Je suis d'accord, mais je fais comment? Lui il me prend ça, mais je m'en fous de ça. Bah du coup oui, autant en fait autant faire l'inverse. Autant faire ça. Et après du coup on. Lui on le. Voilà. Comment je fais pour récupérer ça moi? Pas de...
Ouais, mais comment tu veux que je fasse Ah mais en faisant ça. Mais pourquoi il pouvait pas prendre le truc? Je comprends pas pourquoi il pouvait pas prendre le truc en fait. J'ai pas compris. Non mais Link. J'ai pas compris pourquoi il pouvait pas prendre le truc. Il est devant lui. Voilà, c'est que les développeurs ont pas pensé que ah bah oui merde, on peut récupérer comme ça. Prends la plaque. Prends la Link. Mais putain. Il me rend fou. Prends-la. Merci. Oui, du coup, on avait dit que on se mettait là. Donc, en fait, je faisais le bon truc, c'est juste que il faut le tenir avant. On peut pas le prendre après. Ah oui, tu as au fait, on s'en fout, au fait. En fait, je faisais le bon truc, mais fallait faire autre chose avant. Ok. Alors, du coup, on a la clé. Ah oui, bah oui. Je comprends pourquoi. Alors, 1. Sous-sol. Troisième sous-sol. Ok. Donc il y a somme bangerang. Bang. 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 Et bang. Ok. Résume, hein. Ok. Pas voulu. Mon doigt a glissé. Ok. Ah mais ça sauvegarde pas l'emplacement. Bah on va prendre une potion hein. Une potion pour un donjon.
Ok. La grande clé doit être transportée sur un wagonnet. Ok. Le wagonnet. D'accord. Perfect. D'accord. Mais je l'ai comment la clé? Ah, c'est le chemin pour arriver jusqu'à la porte, mais pas pour arriver jusqu'au wagonnet. Pas pour arriver jusqu'à la clé. Non, mais... D'accord, mais du coup, je la récupère comment, la clé du wagonnet? Pas mal à la tête, hein. Moi j'ai mal à la tête, c'est pas mal. Oui, mais d'accord, mais la clé du wagonnet, je l'ai comme. Elle est là, mais je la récupère comment? Attends. Le wagonnet il part comme ça. Donc on arrive là. Donc là, il faut qu'on switch de toute façon. Là, on arrive ici. Le switch qui est là permet, bah, de toute façon, lui, il permet de, d'aller là, dans tous les cas. Il faut que j'aille ici. Comment je fais pour... Ah, ou alors, je peux pas sauter de wagonnet. Donc, il y a aucun monde où je peux changer de voie. Ah, peut-être là. Bah non, là, il n'y a pas de... Ah, ou alors c'est lui qui contrôle l'embranchement. Attendez. Déjà, lui, c'est sûr. Ensuite, il y a lui. Bah non. Mais je l'ai comment, la clé? Mais c'est... L'histoire de Zinzin. Ah si! Oh la vache! Oh, heureusement que j'ai regardé mon inventaire. Si! Oh la vache! Ah ouais, faut s'en souvenir. Hein. Si, si, si. Non mais, ils ont vraiment l'impression. Ils se sont dit, ça y est, on a fait un jeu trop bien et tout. Oui, d'accord. Tu vois, vous avez fait un jeu pour DS, les gens. Hein. Les sessions de jeu. Vous pensez sérieusement qu'il y a des gens qui allaient... Ok. Hop. 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 T'es tellement con. Allez, boss. Ah ouais, non, mais là... oui, non, mais ok. Il faut... Faut se souvenir hein, des trucs que font chaque objet. Hein. Oh. Oui. Bon, on n'a plus qu'une potion. Faudra racheter de toute façon des potions. Ah. Passes d'as. Ok. Lyotnos, colosse de l'art. Oh, y'a un rail. Je ne parle pas de la coque. Où suis-je?
D'accord, d'accord. Oui, oui, moi aussi j'aime. J'aime. J'aime les friandises. Très bien. Ok. D'accord, mais. Faut me le dire le jeu si ce que je fais est bien ou si c'est pas bien, parce que sinon. Sinon j'évite d'utiliser mes flèches en fait. Ah oui putain j'ai déjà plus de vie, ah oui bah. Rapidité, simplicité hein. Peux-tu sauter sur la plateforme, s'il te plaît? Merci. Est-ce que tu peux tirer? Merci. L'émulateur aime pas du tout. Plus qu'une flèche. Super. Bon, ouais, j'ai plus de flèche. Non, mais. Link, est-ce que tu peux te manier le trognon? Ça serait quand même quelque chose d'intéressant. J'aimerais des flèches en fait le jeu. Vous savez, les flèches. Le truc qui me permet de battre le boss, ce serait hyper intéressant. Merci. Et deux popos en un donjon. Bah dis donc. Waouh. Non mais ça les donjons de feu c'est toujours chiant. Peux-tu... Mais quel con, mais c'est pas possible. Link, vise putain. Oh là 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 là. Bravo. Mais ça c'est... Comment veux-tu être précis au stylet quoi? Enfin même en vrai c'est... Peux-tu tirer sur les mains, Link? Merci. D'accord. Bah du coup, je l'ai dans le cul, sans doute.
Je clique sur les mains. C'est hallucinant comment c'est pas précis. Oui, bravo. En fait, ce boss fait beaucoup ramer l'émulateur. C'est hallucinant. Super, génial, on s'éclate. Mais... il va pas aussi loin. Et j'ai plus que 3 cœurs, quoi. On va crever sur ce boss. Tellement c'est mal branlé. Je vais pas tirer là-bas. Tire sur les mains, merci. Tire sur les mains, tire sur les... Link passe. Link. Merci. Oh, y'a un... Vous avez vu, à un moment donné, il s'est retourné vers moi, mais c'est pas vers moi qu'il faut viser. Oh, y'a difficile, hein. Ah, et donc, ça c'est un boss difficile. Hein. Mais ça, je trouve ça vraiment, c'est symptomatique parfois des Zelda. Où c'est la promenade de printemps et d'un seul coup, paf, on te met un boss où tu galères. C'est waouh. C'est un gros ça y est, t'as maîtrisé les bases. Allez, vas-y. Vas-y, on te regarde. Belle musique. Le dernier étage. Tu as réussi à vaincre le gigant de ce monstre. Je suis impressionné, moi aussi. Tous les sceaux de la tour des dieux ont été restaurés. Retournons à la tour. La salle de feu se met à briller. Et du coup, on a juste voilà, le petit chemin. Et voilà, maintenant, la tour des dieux sont restaurées. Allez. Oui, oui, oui. Ce qu'on va faire, on va aller au village Goron acheter des potions. On va aller au village Goron acheter des potions. Mais c'est vraiment, ça coûte pas trop cher. Voir si on peut acheter un carquois de flèches aussi. Je sais plus si c'est le carquois ou si c'est juste des flèches. Faudrait qu'on regarde. On va s'arrêter au village Goron. Et ensuite, est-ce qu'on se quitterait pas? Parce que j'ai peur qu'il y ait une cinématique. J'ai peur qu'il y ait une cinématique quand on arrive à la tour des dieux. Donc je me dis, est-ce qu'on s'arrêterait pas là, une fois qu'on aurait fait nos emplettes. Et comme ça, bah du coup, jeudi prochain, on va directement tour des dieux. Le chemin sera pas bien long. Et si comme ça, s'il y a une cinématique, on commencera avec la cinématique. Pardon, qui c'est qui m'attaque? Allô?
Très bien, je savais pas où il était. Super. C'est très bien, je voyais pas où il était. Là, j'ai vu où il venait, c'est bon. Très bien. Allez. Allons voir ce qu'il nous propose. Ah oui, j'ai oublié de re-switch du coup. Alors, du coup, ça c'est quoi? Potion jaune, restaure tous les cœurs, 200 rubis. Pas vraiment besoin. 8 cœurs et te réanime si tu t'évanouis. 150. Alors attendez, 150 x 2, ça fait 300. 2000, ok, c'est pas la peine. Ok, bah du coup, on va prendre... On va prendre deux violettes. Voilà, on va prendre deux violettes. Et du coup, on va s'arrêter là pour ce soir. On va sauvegarder. Comme ça, du coup, les deux violettes, en plus, oui, ils ont le pouvoir de réanimer. Donc, comme ça, l'intérêt, c'est si j'oublie de les prendre, au moins, on récupère 8 cœurs. Ce qui est suffisant, vu que c'est le nombre de cœurs qu'on a. Même pas, on a 7 cœurs. Donc, c'est largement suffisant. Et du coup, ben, on va s'arrêter là pour ce soir. On continuera donc ça, du coup, jeudi. Jeudi, on ira directement à la Tour des Dieux. On fera, donc, du coup, le dernier étage, je suppose. Mais je suppose aussi que comme dans Phantom Hourglass, il y a autre chose derrière, vu que je sais qu'il y a un locomo en plus. Donc il y a autre chose derrière, sachant qu'en plus, on le sait qu'il y a quelque chose après. Parce que souvenez-vous, ici on n'y a pas été. On n'y a pas été ici. On ne sait pas ce que c'est. Donc forcément, si on ne sait pas ce que c'est qu'il y a quelque chose. Donc, et vu que je sais qu'il y a un locomo en plus, parce que pour voir un petit peu comment les gens faisaient, ils parlent bien donc du coup de 6 locomos. 5 ou 6. 5 ou 6, je sais plus. Locomo. 5, je crois. 5 locomos. Oui, parce qu'il y en a un par contre, et plus 1, je crois. Donc il y a 5 locomos. Donc, je sais qu'il y en a un là en plus qu'on n'a pas fait. Qu'on va s'amuser du coup. Donc. Je pense qu'on fera ça jeudi. Jeudi, la tour, le sanctuaire, s'il y en a un, je suppose qu'il y en a un, le sanctuaire. Puis ensuite, bah du coup, vendredi, on fait le dernier sanctuaire, peut-être la fin, du coup. Donc théoriquement, on devrait terminer Zelda Spirit Tracks la semaine prochaine. Au pire, je pousserai un petit peu plus. On fera peut-être 2h30, comme on a fait un peu hier. On fera peut-être 2h30, histoire vraiment de terminer le plus possible vendredi. Alors, je dis pas que ça serait cool, mais c'est vrai que ça serait pas mal. Après, au pire, on terminera le jeudi d'après et on fera autre chose à ce niveau-là. Mais j'avais envie de faire, par exemple, du Flight Simulator après. Donc, on verra bien. On verra bien là-dessus. En tout cas, sur ce... Passez une agréable nuit, une très bonne soirée, ou une très bonne soirée, une agréable nuit, ça dépend, vous faites ce que vous voulez. On se retrouve donc du coup, nous, lundi, pour du multi avec l'équipe du lundi. Il faut que je voie quel jeu on fait, parce qu'à la base on devait faire du Codenames. Mais il va peut-être y avoir un souci, c'est qu'il y a une personne qui s'est désistée, donc faut que je vois si... Tout le monde est dispo et si personne ne veut remplacer cette personne-là,
Si on trouve quelqu'un, c'est bien. Si on trouve personne, il faut que je vois pour un jeu qui se jouerait du coup à 5. On pourrait refaire. J'étais en train de me dire, on pourrait refaire un petit. Un petit bac, un cas culture. Ou alors il faut qu'on voit pour. En fait, le problème, c'est que GeoGuessr aurait été trop bien. Sauf que GeoGuessr maintenant est payant. Et il faudrait que je regarde, en fait, s'il n'y a pas un truc qu'on peut faire. Donc du coup, théoriquement, lundi soir, il y aura un stream avec l'équipe du lundi. Mardi, ce sera un stream avec Néo. On ne sait pas ce qu'on va faire. Faut qu'on voit aussi ce qu'on va faire. De toute façon, on verra ça ce week-end. J'en parlerai ce week-end. Et sinon, donc du coup, mercredi 20h30 pour du Starfield, bien évidemment. Sur ce, portez-vous bien et à lundi, normalement, si tout va bien, pour un petit stream multi avec l'équipe du lundi. Allez, ciao !